first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in a fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night. Salut à tous! Hello! Oh là là, quelle émotion, quelle émotion! On est lundi, c'est ça? On est parti, on a fini ce qu'on avait à faire. Là, on se rend en direction de, en dessous de Toulouse, je sais pas trop où, pour récupérer, pour retrouver Max qui va emmener la petite allumette chez ma maman. Voilà. Et voilà, donc on a dit au revoir à Philippe de Voyage Voyage, on a dit au revoir à Air Sans Limite, on a dit au revoir à Solange et Christian. À Solange et Christian qui avait le petit magasin. On a dit au revoir aussi à Marie-Noël et son la fils. La petite voisine d'en face qui la nous a gentiment donné de l'eau. Et voilà, et c'était vraiment... c'était riche en émotions, je pensais pas. Cette semaine, quand on a dit au revoir à la petite dame ce matin, notre voisine, elle nous a offert des pâtés, elle nous a offert des confitures, toute sa maison, bien entendu. Si vous voulez reprendre de l'eau, vous pouvez reprendre de l'eau, tout ça, n'hésitez pas. C'était super gentil, et moi, il y a une phrase qui m'a touché. Elle a dit, ça va faire vide sans vous. C'est, ouais. Tu dis, maintenant, dites pas ça, dis, on avait commencé à s'habituer et tout. Hein, ça nous a fait plaisir. Elle a dit, ben, on s'y attache en vadrouilleur. Hein. Oh là là, ouais. C'est trop mignon. C'est, surtout, ouais. Si vous passez dans le coin, vous vous arrêtez. Hein. Alors là, vous avez plutôt intérêt à vous arrêter. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on s'arrêtera si on repasse dans le coin. Vous voyez, on veut faire des pays, en fait, on fait des chouettes rencontres dans notre pays déjà tout court. On est tombé sur des gens adorables. Tout à l'heure, on se garde dans un autre village, là. Il y a des gens qui viennent nous voir. Des retraités, je pense. Ouais, des retraités. Ouais. Bonjour les vadrouilleurs, je viens de voir votre chaîne YouTube sur le camion. Donc du coup, j'ai été sur YouTube. Et maintenant, je vais vous suivre. Et puis, on a parlé un petit peu. Il nous a donné des indications sur la route. Super gentil. Des petits conseils pour le Maroc. Et voilà, tout, des petits conseils pour le Maroc. Et voilà, on est tombé. On tombe que sur des gens. Pour l'instant. Adorable. Il n'y a pas d'autre. C'est génial, quoi. Vraiment, c'est génial. Et ben voilà, quoi, là on se met en route gentiment et c'est trop beau. On voit la chaîne des Pyrénées avec les petites montagnes enneigées là-bas. Il fait un temps splendide. Il fait vraiment un beau temps. On sait pas où on va faire Noël. On sera sûrement paumé au milieu d'une montagne dans les Pyrénées, je pense. On n'aura pas passé l'Espagne. Parce que Noël, c'est mine de rien dans peu de temps. C'est la semaine prochaine. Et voilà, donc on vous tient au courant, on vous emmène avec nous, là c'est quelques jours de route, on part vraiment dans l'inconnu, on sait pas où on va, on sait pas. Ouais, c'est pas parce qu'on peut pas vous le dire, c'est que même nous on sait pas en fait. Ouais, on sait pas, on a juste un petit impératif à régler, et puis après ça sera bon, voilà, c'est l'aventure. L'aventure commence vraiment pour de vrai, dans peu de temps. C'est ça. Keep you in my heart, and my heart is where you are. Coco, t'as la rampe, Coco, t'as la rampe qui te permet de rentrer ta moto. Elle était bonne, regardez. Non, c'était nul. Arrête, elle était trop bien. On a acheté une petite rampe, 37 euros. Pour préserver mon petit dos et éviter ainsi les hernies discales. Non, je sais pas. Ouais, les, c'est ça. Les écrasements de disques. Ouais, on va dire ça, ouais. Les écrasements de disques. Donc vous pourrez bientôt voir le Dax monter et descendre de la rampe. Bien. Surtout génial, le matin, hein. Quand ton dos il est bien froid. Franchement, descendre 80 kg à froid comme ça le matin, bah, c'est un peu comme si Charlotte a essayé de descendre du lit le matin, vous voyez ce que je veux dire. Quel enfoiré. Un peu du poids. C'est vraiment méchant. Quel zouave celui-là. Il s'arrête jamais. Faut qu'on fasse un test de poids. T'en fais voir, vas-y. Attends, bouge pas. T'es trop chier. Vas-y. Oh, attention. C'est bon, ça tient? 80 kilos. Au moins, on sait que... Il est pas chié, lui. Et toi? Hein? Et toi, test? Oh. 95 kilos. Ouais, c'est limite. Hein. Bon, allez, on est retourné. Regarde, vas-y.
d'auteur, droit d'auteur. On est sur un parking, les gens ils nous regardent, ouais, ils nous regardent chelou. Pour savoir qui c'est, les vadrouilles. Bon, normalement, j'ai la place pour la glisser là-bas. C'est quoi? Oh, regarde, une grosse ventouse. Avec ça, je peux te décoller le cerveau. Allez, dépêche là, on a attendu là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on... Le toboggan. Le toboggan. T'as pas du toboggan? T'as vu voir comme c'est trop beau là-bas? Il y a la petite montagne avec les nuages, le semi-couché. Mais là aussi c'est très beau. C'est trop beau. Ah, c'est un peu sombre. Regarde, ça va être encore plus beau comme ça. Des petits colis de 8-15 kilos et par la poste. Sauf que la poste, elle prenait pas plus de 10 kilos. Parce que c'était une poste communale. Voilà. Donc, on ne pouvait pas attendre demain parce que c'était mercredi, c'était voilà, fermé. Voilà, c'était fermé. Donc on a dit, bon bah tant pis. Elle a dit, il y a un centre de tri pas très loin. Il ferme à 18h, vous pouvez y aller, ils prennent les gros colis. Donc là, on se magne parce qu'il est 17h30. Là, on est sur Carcassonne. On est sur Carcassonne bientôt. Et du coup, bah, on espère qu'on va réussir, quoi. Ça nous fait à peu près 5-6 colis, il me semble, de entre 10 et 15 kilos. Franchement, c'est usant. Hein. On a emballé on a emballé vos suites et tout au milieu de la route, comme ça. Ah ouais, on n'a pas filmé parce que... Les enfants qui passaient disaient « Regarde les gitans hein, !» Ils ont dit ça. On a fait tout sur le bord, sur le trottoir et tout. On n'a pas filmé parce qu'on était dans le speed et ah, tout. Ouais, voilà. Mais franchement, c'était drôle quoi. On va essayer de prendre quelques vidéos, mais c'est folklore. Ouais, on va essayer de vous prendre des photos des cartons aussi, même si j'en ai envoyé un ou deux déjà. Mais du coup, c'était marrant. Bon, voilà, c'est vrai que quand on est chez soi, qu'on a nos habitudes avec nos postes et tout, c'est bien plus pratique. Là, j'avoue. Mais il faut savoir que le centre communal, ils prennent pas de colis plus de 10 kilos. C'est bon à savoir. Donc voilà, bon, allez, on est bientôt arrivé. On vous dit à tout à l'heure. C'est quoi ça? Ils ont dit on a que ça. Et bah ça sera bon pour dépanner. Ouais, au moins. Regardez ça le chantier. Et là c'est qu'une partie des cartons. Hein, du, ouais, carton de tous les stocks et de quelques machines. Bon, vous voyez, ça se termine. Il commence à faire noir. Même Julia est cimée. Vous avez vu, elle est en train d'emballer gentiment, soigneusement les colis et les machines. Pour que ça arrive à bon port. Hein, Yaya? Voilà, donc à partir de maintenant, nous n'avons plus aucun stock et on va tout gérer, les commandes, le relationnel, bah, tout avec vous, sauf qu'il y aura certaines fabrications qu'on ne fera plus. Nous, on a fait énormément de flocage sur des sweats, des t-shirts, sur plein de choses. En fait, notre collègue, il aura énormément de choses déjà fabriquées par nos soins. Voilà. Bon, et bien voilà, ça y est. Tout est fini. Normalement, on n'a pas oublié grand chose. Il y a de la caisse à Carcassonne. Oh, le bruit! Dingue, c'est au moins un gros V8. On dirait un moteur de camion. Donc voilà, tout est fini.
On peut commencer à souffler un peu et on vous tiendra au courant. Maintenant, reste plus qu'à espérer que tout arrive entier parce qu'en fait, on a tout fait partir à droite, à gauche. Il y a des cartons qui sont partis, une poste là-bas qui faisait moins de 10 kilos. Il y en a qui sont directement au centre de tri de Carcassonne. Franchement, là, on espère que tout va bien se passer. On vous tiendra au jus. Hein. Voilà, allez hop. Nous, on attend, j'attends Charlotte et puis les enfants et puis on va se remettre en route gentiment pour trouver un petit spot bien, bien tranquille pour le nid parce que là, il y a un peu trop de mouvement pour moi là. Ah ouais. Aider à remplir les colis et tout. Oh, quelle misère. Hein, chouchou. On est en train d'envoyer tous ces bons à notre collègue, notre partenaire. Et J'ai mal au dos. Il y en avait des colis, combien il fait avec noir, colis je sais plus, il y en avait une dizaine. Il y avait une dizaine de colis, on s'était renseigné aussi par un transporteur sur une demi-palette, vous savez, bah, une petite palette parce qu'il y en avait. C'était dans les 300 euros hors taxes et c'était assez complexe, voilà. 11 colis exactement. Non, j'en veux pas le loot, merci, j'en veux pas. Il y avait combien de kilos environ? Il y avait pas loin de 150 kilos. Waouh, on envoyait pas loin de 150 kilos. Ouais. On avait dit 200 kilos pour les devis transporteurs. Ouais, tu vois. On n'est pas loin. On n'était pas loin. Et on s'en est tiré, voilà, pour 220 euros au lieu de 300 chez un transporteur hors taxe. Là, c'est 220 euros. TTC, voilà, c'est bon. En espérant qu'ils vont arriver à temps avec les grèves et ouais, tout. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, donc bah, surtout, bah, vous savez que la boutique ne s'arrête pas. On a mis tout ça en place pour que vous puissiez toujours avoir vos petits produits The Mad Warrior Forever ou vos mugs personnalisés. Voilà, voilà, on vous laisse entre deux bonnes mains. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un gros stock qui est déjà floqué par Charlotte. Donc ce que vous commandez là, même jusqu'à début d'année prochaine, ça sera que des trucs que Charlotte elle a produit elle-même. Voilà, mais sachez que notre partenaire, il fait ça vraiment bien et c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on fait appel à lui, parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance. Et que voilà quoi. Et c'est une personne comme nous, c'est une personne comme vous les aimez, voilà, qui a du cœur et franchement c'est cool. Voilà. Allez, on reprend la route. À tout à l'heure. Et coucou. Bon, on s'est posé dans un petit village sur la route pour aller en direction de quoi déjà? De Le 4, voilà, Port Le 4. Et on va rester là, poser deux jours. Bah donc là, c'est la première journée. On a dormi là cette nuit, on a super bien dormi dans un petit village super calme. On s'est garé tout au fond d'un stade de rugby. On n'est pas venu nous embêter rien, nickel. Voilà, Lucie a fait son petit goûter là, elle a pris des graines de chia. T'aimes bien ça? C'est trop bon. Voilà, on a remis du linge à sécher. Et là, je vais aller faire le plein de pétrole dans les appareils de chauffage. Et on va pouvoir voir à peu près ce que ça a consommé en fait. Parce que même mine de rien, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit la dernière fois. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Donc il y a Corinne et Fabrice qui mettaient du pétrole comme moi dans leur chauffage. Et là ils sont un petit peu embêtés, ils ont cassé apparemment la bougie et le tamis qui vaporise un peu le pétrole apparemment se serait esquinté. C'est ça qui aurait fait brûler la bougie parce qu'ils utilisent du pétrole. Et c'est un pétrole qui est apparemment trop calorifique. Alors ben moi j'ai pas eu souci là. C'est vrai que ça fonctionne bien. Après, je m'en fiche, j'en ai trois d'avance. Mais bon, c'est pas une raison pour aller le casser puis aller faire de la mécanique et tout rechanger. Donc, je pense que par mesure de sécurité, il vaudrait plus mettre de pétrole et continuer à mettre du gasoil. Parce que j'aurais, même si j'ai des chauffages d'avance, j'aimerais bien éviter que ça casse, en fait. Donc là, on va voir ce que ça a consommé à peu près depuis la dernière fois. Oh, cool. Bon, je veux pas en remettre, ça sert à rien. Je suis là, je suis à la moitié, à peu près un petit peu en dessous de la moitié. Ouais, je vais avoir sur mon petit cahier.
Alors voilà, c'est parti. Consommation, attention messieurs dames, consommation. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là, lui, regardez. Il m'a fait des gribouillages sur mon cahier. Regardez. Ah, je vous jure, on essaie de tenir des petits cahiers propres et puis eux, ils nous foirent tout en quelques secondes. Ça, c'est Lucas, ça. Il a fait des dessins sur mon cahier. Alors, nous avons mis du pétrole le 7. Oh, génial. On est le 18. Eh ben, c'est cool. Bon, bah, je suis plutôt content. Ça va nous faire, je pense qu'on va tenir jusqu'à la, ouais, peut-être encore 5-6 jours comme ça. Après, on est dans le sud, hein. On est près de Carcassonne. Franchement, il fait bon. Il fait minimum 10 degrés. Nous, on fait à manger. Ça chauffe tout le bus. On va dans nos chambres et on sent vraiment que les chambres, elles se réchauffent avec nous. Et ça, c'est vrai. Et franchement, c'est cool. Même on a trop chaud dans la chambre. Il y a les nuits, cette nuit, j'ai dormi avec la chambre, avec la fenêtre entrouverte. Donc, franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Viens là, toi, la zouave. On s'en va demain. Voilà. Direction Port-le-Cat. On a des petites bricoles à faire. Il y a des cadeaux à acheter pour Noël. Et voilà. Viens dire bonjour, toi. Allez. Et voilà. La rampe pour la moto. Bonjour. La rampe pour la moto, ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai eu moins mal au dos quand j'ai sorti ce matin. Franchement, c'est top. Et voilà. Et on a été faire un petit 40 km avec Lucie. Franchement, on s'est éclaté avec le Dax. On a été emmener les Mondial Relais. D'ailleurs, il y a peut-être un petit peu de retard avec les grèves. On a emmené les tout derniers Mondial Relais qu'on avait emmenés. Et voilà. Ensuite. Mais pas avec la poste. Ouais, pas avec la poste, ça va. Du coup, on s'est paumé, forcément. Je pensais que ça allait aller, mais non, ça n'a pas été. Donc j'ai fait droite, gauche, on s'est retrouvé à 20 km plus loin alors que le Mondial Relais était qu'à 8 km. On est revenu, on s'est bien éclaté avec Lucie, on a fait des petits virages, on est passé dans des petits villages pittoresques. Hein. On est près de Carcassonne, je vous le rappelle. Carcassonne. Et franchement, c'était trop chouette. On est passé dans un tout petit tunnel. Je ne sais même pas si une voiture s'est passée. C'était genre un tuyau. On a écouté des gens, ils nous ont dit passez par là, ouais, c'est un gros tuyau annelé. Ouais. Et bon, mais voilà. Et du coup. C'est super pratique, la petite axe, depuis qu'on a changé le pignon et la couronne, ça roule beaucoup mieux. Mais, je me suis dit, il faut qu'on trouve un petit véhicule pour faire nos trucs à droite à gauche. Mais j'aurais dû me dire aussi, c'est pas fait que pour ça. C'est fait aussi pour, si t'as envie de faire une balade, d'en profiter. Ouais, bah ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte que le Dax, il est pratique pour faire des petits trucs à droite à gauche. Mais si vraiment t'as envie de faire une belle balade, eh ben, au final, c'est chiant et c'est roulou parce que la selle, elle est pas confortable du tout. Lucie est glissée derrière. Et là, je me suis dit, oh, j'aurais une petite bécane, j'aurais une petite Shadow ou un truc comme ça, ça aurait été vachement bien. Et j'avais regardé déjà il y a quelques semaines, et ouais, ce qui passerait dans la soute, ça serait un genre de chopper, comme un Shadow ou une Harley, enfin voilà, une Harley, ça coûte trop cher, mais comme un genre de Shadow où je puisse replier le guidon et la rentrer avec la rampe, la rentrer dans la soute, ça serait nickel. Et au moins, on pourrait faire des balades et prendre du bon temps. Tu dis plutôt que t'as envie de changer, non ? Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On verra ça au printemps. Hein ouais. Mais sinon, on a bien roulé, franchement. Ça va, d'ici là, le printemps, il y aura d'autres projets. Ça sera encore autre chose. Eh, chouchou, regarde. Ouais. On en a mis le 7. On est le 18 et je suis en dessous de la moitié, oh, donc j'en remets mal. Pas. Ouais. Bon, en même temps, la nuit, il s'allume pas. Bah, hein, non, il s'allume pas. C'est ce que je disais, on réchauffe avec notre chaleur corporelle. Ah ouais, on est serré. Chaleur caliente. Wouh. Pousse-toi, Lucie. C'est pour les enfants. Donc voilà, c'est cool. Bah ouais, je suis trop bien. T'as vu les coloriages ? Ouais, j'ai vu, ouais. Donc du coup. Ça anime la feuille. Ouais, du coup, j'en remets pas. Sur toutes les pages. Ouais, j'ai vu, mon ami, sur toutes les pages. Oh, les petits. Oh, regarde ça ici. Le petit coquin. C'est un artiste. Tu vois, regarde, tu vois, il y a une flèche là. Pour indiquer que c'est pas ton carnet. Ah ouais, il m'en a mis sur plusieurs pages, le petit pourri. Ah ! Regarde ça, putain. Voilà. Allez, on fait encore une nuit là. On était bien, on était au calme. Ah, j'ai dormi comme un bébé. J'étais comme ça. Ah ouais, c'était trop. Ah non, c'est bien. Toi qui ronflais, c'est moi. Non, c'était c'est pas moi. Moi. Si, c'est toi. Toi, t'as pas arrêté de ronfler, de péter cette nuit. Comme ça. Non, ce qui est bien avec Jérém et moi, c'est qu'il y en a aucun des deux qui ronfle. Et ça, c'est trop bien. Et je n'accepterais pas que tu ronfles. Enfin, si vraiment t'as un problème un jour et que tu dois ronfler, mais. Oui, mais. Ah, Jacques, moi je te réveille si tu ronfles. Bah, moi quand c'est t'as pareil, le nez qui. Ah non, je supporte pas. Ah non, c'est mort. Non, non, c'est ça qui est bien en fait, nous on ouais. Ronfle pas. On fait pas de bruit, on dort comme des petits agneaux. Ah, j'ai mangé plein de pistaches, du c'est coup, trop j'ai bien. L'impression que j'en ai partout. Allez, on vous fait des gros bisous et puis on. Voilà, on se retrouve et demain. On viendra se recharger en eau demain. On a un petit robinet près d'un bâtiment et je vais vous montrer comment j'ai fait demain pour essayer à choper de l'eau parce que c'est un pouce-pouce et en plus, ça sort le col de cygne, il sort le un peu ovale, ouais. Et merci les durites silicone de moteur. Voilà, je vous en dis pas plus. À demain. Ciao. Donc voilà, c'est chiant. Alors, je vais vous faire voir comment je fais pour recharger en eau. Système D, faut toujours se débrouiller. Faut user d'ingéniosité. Vous avez vu les joints, regardez. Dégueulasse, cracra, ils sont en train de s'enlever. C'est
c'est nul. C'est de la merde. C'est nul. Ça va pas. Du riz de silicone. Hop. Elle est toute neuve, elle n'a jamais été utilisée. Attends, montre l'embout du... Voilà, vous avez vu? Hop. Je l'enfonce bien. C'est une chance que ça soit les bons diamètres. Et voilà, c'est bon. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Et vu que c'est un pouce-pouce. Voilà. Une petite sangle. Eh bien voilà, nous repartons de notre emplacement. Ça va être un petit peu chaud, Charlotte, elle va descendre pour filmer, vous allez voir. Mais c'est un petit peu chaud quand même, hein. Mais ça va, ça le fait. Ah, les fils, ils sont hauts, hein. Ils sont pas très hauts. Ils sont bas, hein. Les fils, hein, putain. Hier, on est passé là, ça l'a fait, enfin avant-hier. Mais là, j'ai l'impression que ça va, je vais frotter trottoir. Hein. Bah obligé, là, regarde. Bah là, tu peux encore avancer, là. Pas beaucoup, mais... Bon. Sur trottoir, hop, ça y est. Bah bravo, bah bravo. Bah bravo, heureusement que c'est pas des pneus. T'avais encore un mètre devant. Heureusement que c'est pas des pneus neufs. Vaut mieux monter sur un trottoir que de prendre trop large et que le porte-à-faux il raye le mur. Bah là, il y a un petit chemin. Jérém et Théo sont partis voir si. Parce qu'on a regardé sur Maps, sur Street View, il y avait un emplacement. Pff, non, mais il a que ça à faire. Il y avait un emplacement pour faire demi-tour. Du coup, ils sont allés voir. Bah, ils reviennent, à mon avis. S'ils reviennent, c'est que c'est mort. Bien moisé, ces zouaves là. C'est mort? Ah, ça passe pas. Jérém, hein? On va couper tes trois cheveux. T'es content? Vous allez être sur la vidéo, c'est pas grave. Non, ça va être sur la chaîne YouTube. Hein. Ouais, elle a dit qu'il avait des cheveux trop classe. Allez-y, vous vous occupez pas. Bah surtout sur les côtés, ce côté, y a rien. Allez, on va voir le résultat après.
Ceux qui n'étaient pas là. Bah, en fait, les petits duvets qui n'arrivent pas à pousser, ça leur donne de la vitalité, se transforme en cheveux. Mais quand on gobait, un bon paquet, hein. C'est-à-dire quand on fait le traitement, c'est le nombre de cachets qu'il y a sur la boîte et pendant 6 mois, sans non-stop. Et pour voir la différence, il faut quand même se prendre en photo parce que vous habituez à ne pas en avoir, vous habituez à en avoir plus. Pour voir la différence. T'es content de ce que tu viens d'apprendre? Ouais. Alors tu viens d'apprendre quoi? J'ai acheté une cargaison de levure de bière. Et si je bois de la bière, ça va ou pas? Non, c'est pas vrai. Beaucoup de bière, non. Donc apparemment, les gélules en levure de bière, ça ferait son effet pour faire pousser les cheveux. Je savais pas que ça existait en gélules, la levure de bière. Bah moi, tu je vois. Je la connais en paillettes. Ça pense bien en paillettes. C'est pas mauvais, une petite salade. Ouais, je sais pas. T'es content? Si tu sais que ça peut pousser? Ouais. Vous allez voir, rigoler. Un jour, j'aurai des cheveux. Ça y est, on est rentré. Voilà, on est bien arrivé. En passant par le 4 sur notre route, on s'est arrêté à un petit carrefour. Bah, le carrefour contact, il doit pas en avoir 36. Ouais, c'est ça. Ouais, petit carrefour grand. Contact de le 4. Super sympa d'ailleurs. Ouais. Du coup, il y avait un petit coiffeur. J'ai dit tiens, je vais tenter. On verra. Comme Jérém voulait se faire couper aussi peu de cheveux qu'il a. Il a dit ouais, il y a pas de souci. Et en plus, on fait barbier aussi. Bah attends, mais c'est génial. Du coup, bah, il a fait ses cheveux et sa barbe. Elle a taillé bien là, puis elle m'a dit « Oui, vos cheveux vont pousser, il faut manger de la levure de bière. » En gélule. On va essayer. Mais beaucoup, beaucoup de gélules de bière. Ils nous ont vraiment pris comme ça sur le pouce. C'est cool, ouais. Il y avait un peu de place et tout. C'est New Air, c'est ça? New Air. Ah ouais, ils étaient trop gentils. Voilà, vous savez qu'ils m'ont coiffé. Ah ah. C'est une petite jeune, voilà. Je crois que la patronne s'appelle Karine, ce que j'ai cru entendre. Franchement... super sympa. Ouais, franchement, on a bien rigolé. Vraiment, non, ce n'est pas un partenariat. Non. Et super sympa. On a bien rigolé, on a donné le nom de la chaîne et tout. Ils vont aller jeter un œil. Et ils ont fait une frange à Lucie. Ouais, ils ont fait une frange à Lucie. Bah, vous avez vu dans la vidéo. Et voilà, donc là, on finit notre projet, notre gros projet vidéo. Ça se termine ce week-end, le tournage. Après, j'ai tout le montage à faire. Et après, voilà. On pourra souffler un petit peu. C'est la fin de notre petit périple au niveau du tournage, parce que si on a fait tout ça à droite, à gauche, on se retrouve ici, c'est forcément qu'il y avait une raison. Et voilà, donc désolé, il y a des gens qui sont venus nous voir, on n'avait pas trop de temps à leur accorder, même pas du tout. Ouais, on n'aurait pas trop dû dire où on était, mais bon, voilà, quand on dit où on est, en général, vous essayez de venir nous voir. Quand on a le temps, on vous consacre du temps, mais encore une fois, excusez-nous. Si on n'a pas pu vous consacrer du temps, mais voilà, si on n'a pas dit venez nous voir, c'est que justement on n'avait pas de temps. Donc encore désolé et à ceux qui sont venus et qu'on n'avait pas trop le temps à vous accorder. Se retrouver après. Ouais, voilà, non, si on n'avait vraiment pas le temps, c'était boulot à fond. Voilà, et j'ai un grand merci à faire passer au bandit qui m'a envoyé un t-shirt Captain America. Merci à toi, je l'ai mis pendant 2-3 jours, là il est déjà parti au lavage, je sais même pas si je l'ai lavé en fait au début. Non, tu l'as pas lavé. Non, je l'ai mis comme ça tellement j'étais content. Rendez-vous dimanche, là dans 2 jours à 18h comme d'habitude, hein, tous les dimanches à 18h pour le live. Soyez nombreux, parce que ça promet, on sait pas où on sera, on a des soucis encore avec la NTS si vous avez vu dans les stories Instagram. Ouais, il nous gonfle. Ils veulent pas accepter notre élection de domicile en tant que justificatif de domicile. Il n'y a que ça qui bloque. Alors que toutes mes cartes grises, on a fait, vous savez, le DAX, on a fait plein de trucs, le 806, les caravanes, c'est passé. Les espaces, tout, on a c'est tout passé. Fait, ouais. Et là, ils veulent pas. Ils nous demandent une attestation de l'hébergeur chez qui on vit, avec son justificatif de domicile et sa carte d'identité. Mais on vit pas chez un hébergeur, on vit dans notre bus, je leur ai envoyé un message. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de me refuser ça. C'est un truc qui est réglementé. C'est un truc, voilà. C'est légal, quoi. C'est légal. Vous devez me faire ma carte grise. Ouais, ils sont galères. Là, franchement, aujourd'hui, s'ils m'auraient accepté mon élection de domicile, eh ben, on aurait notre carte grise provisoire. Là, aujourd'hui, je suis en train de monter la vidéo. Il est jeudi. Jeudi matin, s'ils m'auraient accepté mon élection de domicile, c'était bon, on avait la carte grise provisoire et on pouvait partir. Alors, demain vendredi, normalement, ils vont me répondre parce que, bah, ils répondent assez vite, ouais, quand même. Ça va.
Mais voilà, je suis dégoûté. Et j'étais comme ça cet après-midi. Bah là, t'as envoyé quand même un grand mail, pas méchant, mais vraiment en insistant, en leur faisant comprendre que c'est bon. Je sais pas si c'est des robots, s'il y a des gens derrière. Ah non, mais là, franchement, ça a abusé, quoi. Franchement, ça a abusé. On croise les doigts pour qu'ils nous l'acceptent, parce que s'ils nous l'acceptent pas, qu'est-ce qu'on fait demain. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, je vais demander à ma mère qu'elle me fasse une attestation, comme ils ont demandé. Enfin, c'est débile, mais bon. Ah, mais ça sera pas la même adresse. Ben non. Voilà. Donc, ouais. C'est, voilà. Ça va bien se passer. Affaire à suivre. Si ça se passe bien, semaine prochaine, on peut déjà décoller pour le Maroc. Déjà l'Espagne. Il y a toute la journée de demain. Ouais, pour s'expliquer avec eux. Mmh. On va bien trouver une solution, un terrain d'entente, je pense. Puis après lundi, ils vont faire le pont. Oh, après non, mardi, c'est férié. C'est le dernier créneau. Là, faut que ça se fasse demain. Voilà. Bah allez, on y croit. On vous fait des gros bisous. T'avais quelque chose à rajouter? Non, je suis contente. C'est bon? Ouais. Nickel. C'est trop beau. Allez, gros bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas, pendant les fêtes de Noël, il faut parler des The Warrior Forever à tout le monde. Vous allez retrouver la famille, les amis. C'est un sujet de discussion pour les fêtes de Noël. Hein? Exactement. Vous connaissez les Vadrouilleurs? Non, bah si, sur sa chaîne, abonne-toi. Et tout. Voilà. Et on se retrouvera l'année prochaine, des millions et des millions sur notre chaîne, grâce à Noël et aux fêtes de Noël. Grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram aussi. Je le dis pas assez souvent, mais il faut s'abonner sur Instagram parce qu'il y a plein de trucs qu'on met et que vous voyez pas sur YouTube. Voilà. Exactement. Petite nouvelle aussi, vite fait, petite nouvelle de tous nos machines. Elles sont arrivées, nos machines. Les boîtes un peu cassées, l'imprimante a été en vrac. Voilà, Anthony a réussi à tout remonter. Apparemment, l'imprimante, elle n'est pas cassée. Il manque juste la machine à mug qui arrivera normalement samedi. Mais sinon, sachez que tous les stocks à peu près, il n'y a pas eu trop de casse. C'était un peu dézingué, il a dû tout remonter. Bah là, surtout l'imprimante, le reste, je m'en foutais, ouais. Quoi. C'était l'imprimante. Tous les stocks sont bien arrivés. Voilà, le site, il est en suspens jusqu'en janvier. Jusqu'au 2 janvier, puisque mon collègue prend des vacances. Et puis, il est en train de mettre tout ça en place aussi. On est en train de nous scaler. Il y a énormément d'échanges qui sont faits avec lui. Je lui envoie tous mes fichiers. Enfin bref, c'est... Ça va que j'étais à jour dans mes commandes, donc ouais. Impeccable. Donc là, il faudra patienter jusqu'au 2 janvier. Il faut s'organiser, mais voilà, vous notez tous vos petites commandes sur un petit papier et dès que le site sera ouvert, on vous le dit, hop, vous pourrez commander. Pop, pop, pop. Et là, il faudra lui donner du boulot, un truc de dingue. Là, il ne va pas savoir où il en est, il va être submergé. Il va savoir ce que c'est les bandits quand ils commandent en masse pour des trucs The Vadrouilleur Forever. Hein, on le mettra dans le jus, ok? Ça reste entre nous, on le mettra dans le jus. Ah ouais, grave. Ça reste entre nous. Chut, vous le dites à personne. Vous ne dites pas Anthony. Hein. Gros bisous. Allez, on vous embrasse. À dimanche bye bye. Pour le live. Bon week-end. Et à dimanche pour le live, 18h. Soyez nombreux. Allez, plus bisous. Nombreux que le dimanche dernier. On est monté à plus de 1000. Et le record, c'est 1500. Voilà. On désingue tout avant Noël. Record. OK. Allez, gros bisous. Ciao, bye bye. De Noël, qu'est-ce qu'on fait? On parle des The Vadrouilleurs Forever. Oula.